Bonjour à tous et bonjour à toutes. Petit hors-série imprévu que je vous fais là sur le pouce. Nous sommes le dimanche 12 février et j'avais dans l'idée, parce que j'ai pris un petit peu de retard concernant mon courrier du cœur. Donc j'avais envie, ça fait un moment que j'avais envie de faire une petite vidéo vraiment consacrée à cela. Et en définitive, même si j'ai un petit peu de retard, je l'ai un peu fait exprès aussi en me disant ça permettra d'improviser quelque chose et le jour est venu de le faire. Alors déjà, je suis ravie de vous retrouver, surtout pour quelque chose, pour un épisode que vous attendez pas. Je pense que ça va vous faire très 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 plaisir. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, qui ne me connaissent pas, donc je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry, également Facebook, Instagram et sur YouTube. Le blog Simone et Ginette n'existe plus, donc ne le cherchez pas. Il est fermé depuis le mois de décembre. Je voulais vous le dire et puis j'ai pas pris le temps de le faire, mais voilà, ça c'est fait, c'est dit. Déjà, je remercie toute la communauté pour vos gentils messages, vos soutiens, avec les commentaires, avec aussi les dons que vous faites sur la plateforme Ko-fi, mais aussi sur le groupe Rejoindre, également avec les Funks, et aussi bien sûr en laissant tourner les pubs parce que c'est ça qui est très important. Merci à tous, merci, c'est ce qui permet à la chaîne de perdurer dans le temps. Alors, pour cet épisode, c'est donc un spécial bal du bonheur fileux. Je rappelle l'adresse qui est donc la boîte postale 01 49 rue Rossini 06000 Nice. Ça, c'est pour les Memoridex que vous souhaitez m'adresser, puisque le concept, c'est ça, c'est de s'échanger des Memoridex. Hein, alors, les Memoridex, qu'est-ce que c'est? La Memoridex, c'est un petit rectangle de 10,5 par 8,5. Si vous n'avez pas de quoi faire les angles arrondis et les poinçons, enfin la perforatrice, moi je l'ai, donc vous ne vous inquiétez pas de ça. Juste de bien respecter les dimensions, parce que sinon après dans le Rolodex, ça ne peut pas rentrer. Moi, depuis le 1er janvier, j'ai mis cette aventure en route pour pouvoir matérialiser mes abonnés, parce que c'est un moment de vie qui est extrêmement spécial. Ça va pas se présenter 36 fois dans ma vie d'avoir des abonnés et de pouvoir vous matérialiser sous une forme de Memoridex. Eh bien, c'est vrai que c'est quand même super, super sympa. Et ça permet également d'avoir vos contacts à l'arrière de la carte, surtout les pseudos, puisque souvent on a des pseudos qui sont différents de Ravelry à Instagram, à YouTube. Alors ça permet de remettre un petit peu les choses dans le contexte. Et ça, c'est vraiment très pratique. Alors je vais vous montrer ce que c'est que le Rolodex. Je ne l'ai pas pris avec moi, je vais le chercher. Voilà, alors le Rolodex, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit support-là, vous voyez, sur lequel on va placer les fiches, qui sont des Memoridex cards. Alors c'est très ancien, puisque ça date des années 50-60, c'est l'ancêtre du répertoire. Et c'est très pratique. Bon, moi j'ai décidé cette année de faire ça avec cet outil-là, parce que je trouve que c'est génial. Alors là, pour l'instant, c'est difficile parce que il n'est pas trop rempli, mais après, au fur et à mesure que ça va être rempli, toutes les fiches vont tenir toutes seules. Alors moi, j'ai déjà mis les fiches que vous avez pu m'envoyer. Vous voyez, je garde aussi certains timbres. Et vous voyez, donc hop là, et moi, ça me plaît beaucoup. Je m'amuse comme une petite folle. Je vous ai avec moi, et ça, ben, je trouve ça formidable. Alors, pour les personnes qui veulent participer, hein, c'est très facile. Je vais aussi vous montrer mes petits accessoires. Alors, quand je vous propose justement de faire juste la petite carte, c'est parce que moi, de mon côté, je vais pouvoir faire d'une part les trous-trous qui sont des trous ouverts. Vous voyez, en bas de la carte. Alors, c'est pour ça que quand je vous dis de ne pas venir à plus d'un centimètre en bas de la carte, c'est parce qu'après, il y a les trous. Donc c'est dommage, et aussi derrière, pensez-y, parce que des fois il y a des personnes qui m'ont mis une adresse email, mais du coup après je dois le perforer, c'est un peu dommage. Donc vous pensez bien à mesurer 1 cm en bas, donc on fait la customisation ici, et derrière on remplit avec les coordonnées.
Et ça, vous me le mettez dans une enveloppe avec une enveloppe timbrée à votre adresse. Et comme ça, on fait des échanges. Vous avez un petit peu de moi chez vous et moi, j'ai de vous chez moi. Alors, c'est une aventure humaine que je trouve très intéressante et très agréable parce que d'abord, quand vous allez dans la boîte aux lettres et que vous ouvrez votre boîte aux lettres et que vous avez des petites lettres comme ça, moi, j'aime beaucoup. Ça me fait du bien. Autre que de recevoir des factures ou des choses qui ne sont pas très intéressantes, là, ça c'est vraiment formidable. Je suis ravie d'avoir lancé cette idée. Et si vous voulez nous retrouver, enfin vous joindre à nous dans cette aventure, parce que j'ai eu pas mal d'abonnés qui disent oui, mais toi tu reçois plein de cartes, mais nous on n'en reçoit que. Et oui, pour cause. Mais n'hésitez pas, mettez-vous en lien, faites du lien, mettez-vous en contact pour recevoir justement ces Memory Decks. Et en revanche, c'est vrai que ça implique que vous alliez les unes vers les autres ou les uns vers les autres parce que c'est nécessaire de vous envoyer l'adresse postale. Et ça, c'est clair que l'adresse postale, elle reste personnelle. Alors, c'est pour ça que vous devez vous joindre en message privé de façon à vous donner les adresses. Donc, alors je vais vous montrer d'abord le courrier de la semaine que j'ai reçu et ensuite je vous montrerai le petit stock de cartes que j'ai préparé. J'ai fait un petit réel là hier sur les petites aquarelles que j'ai faites. Je fais un réel sur Instagram que vous pouvez voir. Hier matin, hein, j'ai fait les aquarelles, j'avais l'inspiration. Ah, mes lunettes, c'est pas génial. J'avais l'inspiration et j'ai eu un moment où j'avais pas l'inspiration là dernièrement. J'ai voulu faire des choses et j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Plutôt un peu avec du scrap. Et finalement, en ayant été à l'atelier aquarelle, ça m'a redonné le peps pour faire des petites décos, des petites créations. Mais là, pour le moment, on attaque. Je vous montre mon courrier du cœur, le courrier que j'ai reçu toute la semaine dernière. Je viens juste d'ouvrir en fait les enveloppes parce que je voulais les ouvrir avec vous. Déjà les enveloppes. Alors en plus, j'ai celle qui vient du Canada. Amal, tu es là! On l'attend depuis un mois. Moi, c'est pareil, elle a mis un mois pour arriver chez elle. Donc le Canada, prenez-vous à l'avance, ça met un mois environ. Donc là, je sais que ça, c'est Amal. Après, j'ai Jocelyne d'amour. Mais Jocelyne, il me semblait que tu m'avais déjà envoyé. Oh là là, moi je suis en train de m'embrouiller les pinceaux. Hein. Ensuite, j'ai, ça je ne sais pas puisqu'il n'y a pas le nom dessus. Donc je vous le dirai après. C'est Mademoiselle Bergamote. En plus, j'adore le nom. Hein. Et là, c'est Denis. Je vais vous le dire après. Allez, on y va, on déballe. Je déballe en même temps que vous parce que je ne les ai pas vus. Ah, vous voyez, super, là j'ai bien l'enveloppe à l'adresse avec le timbre. Voilà, hein, comme ça, moi j'ai plus qu'à. Moi en principe, ce que j'aime faire, c'est que des fois je garde le timbre et je vous mets un à moi parce que j'essaie d'aller à la poste, avoir des timbres un peu jolis. Par exemple, en ce moment, vous savez, il y avait le Nouvel An chinois. Alors j'ai réussi à avoir une plaque que je trouve super jolie. Deux plaques, j'ai pris deux plaques. Ah, mais d'ailleurs, ça me fait penser que demain, il faut que j'aille à la poste parce que c'est tous les 15 jours qu'il y a des arrivages de planches de timbre. En revanche, je pense que j'en prendrai qu'une à chaque fois. Ça risque de suffire. Et comme ça, alors moi, je garde les vôtres. Bon, après, je le repasserai forcément, hein. Mais c'est ça aussi le but. Comme ça, le timbre qu'il y a sur votre lettre, je le mets sur votre fiche. Bon, je pense que vous m'avez comprise. Trop de détails tue le détail. Alors là, on a dit que là j'ai Cécile. Cécile avec le pseudo YouTube, puisqu'en fait elle n'a pas d'Insta ni de Ravelry. Donc c'est Cécile Denis. Cécile Denis, je te remercie beaucoup pour regarder comme c'est joli. Super. Alors ça, je ne sais pas si c'est de l'aquarelle ou je pense que c'est plutôt de la gouache. Donc, vous voyez, elle a fait un support, elle a fait les mesures.
Elle a collé deux petites cartonnettes. Alors, les cartonnettes à récupérer, c'est soit, bah, voyez, vous pouvez prendre du papier canson, par exemple. Vous pouvez prendre, recycler les emballages de céréales ou les choses comme ça. N'hésitez pas à recycler aussi, hein. On est là pour essayer de passer les choses. Et après, bah, alors c'est très japonisant. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très, très, très joli. C'est très joli. Merci beaucoup, Cécile. Donc, je vais vous montrer en direct comment je fais. Voilà, tiens. Alors là, bah, je vais prendre cette pince-là pour faire les angles arrondis. Hop, vous voyez, je viens, je... Bon, c'est pas grave, ça va aller par terre, mais c'est pas grave. Hop. Vous voyez en direct, hein. Et je vous ai filmé, hein, la petite séance d'aquarelle. Je l'ai filmée, je vous la mets dans le... Je sais pas à quel moment je vais mettre là dans l'épisode. Et ensuite, je prends ma perfo avec les œillets ouverts. Et alors, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ne descendez pas trop bas, parce que là, vous voyez, je vais venir poinçonner. Alors, c'est la date de création, ça va sortir quand même. C'est important de mettre la date de création derrière. Je vais vous redire d'ailleurs. Hop là. Voilà. Hop, moi, la Memory Dex, elle est faite. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de matos. Il n'y a pas besoin de matos du tout, hein. Besoin de crayon de couleur, même vous pouvez faire avec du crayon gris. Vous pouvez faire vraiment c'est. Et au dos, on marque de qui ça vient. Donc, moi, j'ai mis From. Bon, par exemple, elle a marqué Cécile. Après, le birthday, votre anniversaire, mettez-le parce que c'est sympa. Le pays ou la ville de France, comme ça, moi, je peux vous situer où vous êtes. Le pseudo YouTube, le pseudo Insta, le pseudo Ravelry et aussi votre adresse email. Mais aussi, n'oubliez pas, c'est la date de création de la carte. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Vraiment, hein. Voilà. Donc là, elle a marqué. Je vais le. Parce que là, le trou, il s'est fait. Oh là là, je suis mal installée. Donc, c'était le 31 janvier 2023. Merci beaucoup, Cécile. Comme ça, ce soir, je vais. Vous savez que le soir, j'aime bien, le dimanche soir, j'aime bien faire ma petite correspondance. Et la semaine dernière, eh ben, je ne l'ai pas faite, ben, j'avais zéro inspiration. Donc, je vais tout faire ce soir. Donc, demain, en revanche, au courrier, il doit y avoir beaucoup de départs de cartes. Donc, ne vous inquiétez pas, les personnes que j'ai nommées la semaine dernière, la semaine d'avant, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore parti. J'avais pas l'inspi. C'est comme ça arrive. Hein. J'avais pas l'inspiration, j'ai dit, bah, tant pis, j'attends un peu. Moi, je suis une artiste, en fait. Vous ne le saviez pas, mais je vous le dis. Les artistes, c'est comme ça. Ça fonctionne. Il faut avoir le feeling. Alors là, j'ouvre. Qui c'est ça? Donc, Emma. Emma, le pseudo. Le pseudo, c'est donc Mademoiselle Bergamote. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Oh, génial. Trop, trop beau. Regardez-moi ça comme c'est joli. Regardez-moi ça comme c'est joli. Donc là, on a de l'aquarelle. Avec un papier aquarelle. Là, on voit qu'elle a du matos parce que elle a vraiment fait la découpe qui est faite avec une. C'est un die cut qu'elle a avec une machine, une petite machine. Je vous ai montré la toute petite, la 6X. Ça existe en plus grand selon les formats. Donc, le pseudo, c'est Mademoiselle Bergamote sur YouTube. Sur Instagram, Mademoiselle Bergamote aussi. Et Ravelry, Miss Bergamote. Qui vient donc de la Vendée. Et là, vous voyez, elle a un petit tampon, elle a tamponné le pourtois qu'elle a découpé et où elle a mis un. Je pense qu'elle a mis un petit scotch 3D, vous savez, pour avoir un peu d'épaisseur. Donc, vous voyez qu'il faut avoir juste un peu d'idée et puis la fleur qu'elle a découpée. Non, franchement, bravo Emma. On voit que. Là, on connaît, hein, on connaît le scrap, hein, je te reconnais là. Tu vas pouvoir me donner des conseils parce que moi je suis une bulle hein, en scrap. Voilà. Je trouve que c'est sympa de faire cette petite chronique. Hein. La chronique balle du bonheur fileux. À voir, mais seulement faut envoyer des cartes, hein, les filles là, hein, et les garçons. Hein. Donc là, j'ai Amal. Amal. Alors Amal. Déjà, oh, j'ai un très joli pas marque-page, mais un stitch marqueur. Super. Regardez. J'ai un cheveu d'Amal aussi. Ah. Alors, ça, c'est le marqueur. Super. Merci beaucoup, Amal, t'es un amour. Oula, c'est tombé. Et voici la jolie carte que Amal m'a fait. Parce qu'Amal, elle fait du crochet. Regardez-moi ça comme c'est joli.
Ah, c'est super joli. Donc, elle a stampé sur le fond, vous voyez, et elle a fait comme un accroche-cœur, un accroche-rêve. C'est super joli. Let your dreams come true. C'est super beau, hein? J'adore, hein? Merci, merci. Je te fais des gros bisous, des gros kiss, gros bec du Canada. Parce qu'Amal, elle est au Canada. Vous savez, Amal, elle avait fait la confession tricotesque avec moi. Donc, si jamais vous allez la revoir, elle est toute douce et adorable. J'adore beaucoup de réflexions aussi. On est vraiment synchro parce que même si on n'est pas forcément toujours d'accord sur le même sujet, mais elle a une façon de le dire. Et puis elle a été aussi une des. Un peu l'investigatrice parce que pour moi c'était un peu sous-jacent, mais elle a pu faire émerger ce dont je parle, ce que j'aime bien essayer de mettre en avant concernant le tricot un petit peu addict et tout. Donc c'est un peu de là aussi que c'est parti. Donc c'est chouette. Amal, je te fais des gros bisous. Bisous, 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 bisous. Et là, il y a une très, très jolie enveloppe. Elle est chouette, l'enveloppe, hein? Donc ça vient de Jocelyne. Jocelyne d'amour. Jocelyne d'amour. Voyons voir. Trop joli. Mais c'est les stickers des années 50. Je pense qu'elle les a pris peut-être au même endroit. Vous savez, je vous avais parlé des stickers des années 50 un peu, là, que j'avais commandé sur Etsy. Et ça ressemble. Regardez. Alors, vous voyez, elle a fait un fond. Elle a stampé. Je pense que le fond, je ne sais pas si c'est fait à l'aquarelle ou si c'était un papier qui était déjà. En tout cas, c'est super bien fait parce que. Et puis des petits stamps, douceur de vivre et un joli sticker. Ça me fait penser un petit peu à une un peu années 50. C'est un mélange, ces femmes-là, regardez, c'est un mélange, on pourrait dire un mélange de mode un peu Christian Dior des années 50. Et puis alors, il y a le chapeau, là, qui me fait penser un petit peu de loin comme ça, mais aux habits de Provence, les jolies niçoises. Et ça fait un peu penser à ça. Donc ça va tout à fait dans le. Définitivement, il faudra que je me mette une table là parce que c'est vraiment l'enfer. J'ai tout qui tombe tout le temps. Alors merci beaucoup donc à Jocelyne d'Amour qui est du 10 octobre. C'est une petite balance. C'est le meilleur. De Rambouillet. Pas de chaîne YouTube. Sur Instagram, c'est Jossie-Hobbies. Sur Ravelry, Jossie-Hobbies. Et tac, 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 voilà, l'adresse email et la date de création qu'elle m'a notée. Donc, tout est bien fait. Impeccable. Voilà. Il y a même les angles. Moi, j'ai plus qu'à faire le petit truc là. Oups, je fais ça. Et comme ça, je vais pouvoir ajouter ça dans mon Rolodex. C'est fun, hein? J'adore. J'adore, j'adore. Après, j'ai des cartes, mais ça, je ne les montre pas parce que c'est personnel. Je vais me les lire tranquillement tout à l'heure. Voilà pour les quatre courriers de cette semaine. Donc, je vous dis merci. Vous m'avez gâté. Je suis ravie. Et moi, je vais vous montrer ce que j'ai préparé qui va partir donc au courrier demain, puisque j'en avais quatre la semaine d'avant, plus quatre cette semaine. On est à voilà, huit envois qui vont partir demain. Et j'ai préparé, alors j'ai préparé, je vous montre. J'ai préparé celle-ci. Voilà, alors j'aime beaucoup tout ce qui est aussi avec l'esprit un petit peu carte, donc timbre. Donc là, c'est un papier aquarelle. Là, j'ai utilisé aussi un. J'ai fait de la mise en couleur avec tout simplement un pinceau à réservoir d'eau et puis des petites aquarelles. Donc il y a celle-ci. Après, il y aura celle-ci. Ça, c'est une de mes préférées aussi. J'aime beaucoup. Parce que. Il faut aussi que ça me plaise énormément parce que pour vous les envoyer, il faut que ça me plaise beaucoup parce que sinon, j'en vois pas. C'est comme ça. Là, il y a celle-là.
Alors là aussi, j'ai utilisé un pochoir. Ça, c'était une série que j'avais fait. Et il y en a la moitié qui ne me conviennent pas, que je dois récupérer. Mais vous voyez qu'au fond, j'ai utilisé un pochoir exprès qui fait. C'est comme la maille. C'est de la maille. Là, au fond aussi, on le voit. Et sur celle-ci également. C'est un fond style maille. Maille jersey. Voilà, et là c'est pure et dure aquarelle. Alors c'est ce que j'ai fait hier au matin. Je me suis donné 1 heure. Je pense que c'est ce que je vais mettre en place en fait. Je prépare tout le boulot. Vous verrez, j'ai préparé ma feuille que je. En fait, sur une feuille A3, je fais 6 cartes. Hein, vous mettez du masking tape, vous faites vos séparations, et comme ça vous allez pouvoir après faire vos décos. Alors, voici celle-ci. Tiens, d'ailleurs, les autres, je ne les ai pas signées. Il faut que je les signe. Je mets le petit Natou en bas, à droite. Alors là, il y a celle-là. Ensuite, parce que vous savez que j'adore les. Alors, c'est marrant, il y a quelqu'un qui a dit ça fait penser au Shaddock. Et en fait, on me l'a dit aussi en mode privé. On m'a dit ah, on dirait les Shaddock. C'est vrai que c'est. J'en entendais parler quand j'étais petite. J'ai fait ça. Alors, je me suis inspirée. Moi, je m'inspire beaucoup de Pinterest parce que, comme je vous expliquais, je ne sais pas dessiner du tout. Donc, vous avez beau dire, vous êtes impressionné, mais il n'y a pas de quoi être impressionné. Si vous regardez d'ailleurs comment je fais sur le petit. Et puis là, dans la vidéo, vous verrez que c'est vraiment très très simple. Hein. Donc, je m'inspire de Pinterest et j'avais trouvé ça que je trouvais très 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 joli. Bon, j'aime beaucoup. Alors bon bah voyez là il y a des petites marques d'aquarelle un peu là parce que ça s'est passé sous le scotch, sous le masking tape. Mais bon, c'est ce qui fait aussi que c'est du homemade. Je me suis pas classée en artiste hein, donc j'ai droit à l'erreur. Là, on a celle-ci. Ça, alors j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, vous faites vos tâches. Donc, vous venez mettre de l'eau. Je mets de l'eau sur des ronds avec le pinceau. Après, j'applique l'aquarelle que je fais fuser. Après, une fois que c'est bien sec, vous venez avec un feutre. Donc, moi, j'aime beaucoup les microns. Vous avez plusieurs tailles. Hein. Là, en principe, je prends du 0,2. Et puis, vous venez. Faire ce qui vous passe par la tête, ce que va vous sembler arriver dans la tâche. Voilà. Bon, ça fait très enfantin, mais c'est pas grave. Ça, j'aime beaucoup. Après, il va peut-être y avoir une période où je vais faire des nounours. C'est parce que je serai contente, je saurai le faire. Alors, hop, vous allez avoir une série nounours. Là, on a celui-là. Ça, j'aime beaucoup parce que ça me fait penser à des petits amoureux. Des petits osios. Un petit couple, vous savez, de les inséparables. Il y a hein, des oiseaux comme ça qui s'appellent les inséparables. Alors voilà pour cette semaine, ce qui va partir au courrier. D'ailleurs, j'ai exactement le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 9. Bon, bah j'en ai 9. Donc il y en aura une qui partira que la semaine d'après si j'ai quelque chose. Bon, bah j'espère que cette petite rubrique de la balle du bonheur fileux vous a plu. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vais faire le minimum syndical au niveau du montage pour que ce soit en ligne. Il est 11h03. Si tout va bien, ce sera peut-être à 14h. On verra. Vous aurez la surprise et moi aussi. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine, le 19 en tout cas, pour un vlog week et puis des confessions tricotesques, mais un petit peu plus tard. Il n'y aura pas de confessions tricotesques le week-end prochain. Il y en aura une la semaine d'après. Voilà. Et si vous avez envie de participer à confessions tricotesques, n'hésitez pas, prenez contact avec moi et on se fait un petit entretien entre nous. Je vous embrasse et je vous dis bonne semaine. Bye bye! Merci d'avoir suivi cet épisode et merci pour votre fidélité. Au revoir!